L'agneau ouvrit le cinquième sceau. Et j'aperçus sous l'autel les âmes de ces martyrs. Tués à cause de la parole de Dieu. Tu as fait des miens des martyrs. Et je suis prêt à faire la même chose aux tiens. Mais Dieu nous observe et il nous jugera en fonction des choix qui sont les nôtres. Je t'ai dit que nous vivions dans un monde au bord du précipice, où tous les affronts, toutes les injustices, tous nos choix révèlent nos péchés. Et où nous ont-ils menés ? Où t'ont-ils mené, toi ? Tes amis ont été enlevés et torturés. Et c'est ta faute. De nombreuses personnes ont été tuées et c'est ta faute. Le monde est en feu et c'est ta faute. Ça en valait le coup ? Vraiment ? Quand te rendras-tu compte que tous les problèmes ne se résolvent pas avec une balle? Quand tu es arrivé ici, je t'ai proposé de faire demi-tour. Et tu as refusé. Dieu m'en est témoin, je te réitère mon offre. Une dernière fois. Dépose les armes. Emmène tes amis avec toi. Laisse-moi mon troupeau. Et repars en paix. Partir en paix? Non mais vous êtes dingue! Vraiment? On n'aurait jamais dû venir ici, de toute façon. Tu sais ce que t'as à faire, petit. N'oublie pas. Dieu te regarde. Chaque affront, chaque injustice et chaque choix révèle notre péché. John se trompait. Ton péché n'est pas la colère. Tu préfères voir le monde souffrir et brûler plutôt que de ravaler ton orgueil. Quand l'agneau ouvrit le sixième sceau, alors la terre se mit à trembler. Le soleil devint noir et la lune rouge d'or. J'incarne la vérité.
je ne me contrôlais pas. Septième sceau. Le silence se fit dans le ciel. Et les sept anges debout devant Dieu reçurent sept trompettes. Il y eut du tonnerre, des éclairs, la foudre, et le séisme. Je vous arrête. Et j'entendis une voix forte venant du temple dire aux sept anges, « Allez votre chemin, et versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. » C'est fini, mon enfant. Oh, Dieu. Il va tout le monde en paix.
Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que les politiciens se sont tus. Ça signifie que les entreprises ont été démantelées. Ça signifie que le monde a été purifié par le feu divin. Mais par-dessus tout, ça signifie que j'avais raison. L'effondrement a eu lieu. Le monde tel qu'il était a disparu. J'ai tant attendu. J'ai attendu si longtemps que la prophétie que Dieu m'a murmurée à l'oreille s'accomplisse enfin. J'ai préparé ma famille pour cet instant. Et toi, tu me l'as enlevé. Je devrais te tuer pour ce que tu as fait. Mais tu es tout ce qu'il me reste. Tu es ma seule famille. Et quand ce monde sera enfin prêt à renaître, nous avancerons dans la lumière. Je suis ton père. Et tu es mon enfant. Et ensemble, nous marcherons vers l'Éden.